Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 22 novembre 2020, 13h16, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. On va mettre ça comme ça, plus ou moins bien, parce que c'est juste le début de la dégringolade de l'humanité, donc ça va plus ou moins bien quand même encore. Il y a beaucoup de monde, oui, c'est relatif, qu'il y a des gens que vous connaissez, que je connais, des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui vivent dans un univers parallèle, appelons ça comme ça, un univers parallèle. J'ai souvent visité dans le passé ces univers parallèles-là, tout en vivant dans la réalité, parce que j'étais curieux. Je suis allé voir tout ce qui était conspirationniste, parce que c'est important d'aller voir ça aussi, puis de s'intéresser à ça. Pour voir si ce n'est pas des fondements, des fois, de vérité là-dedans. Je peux vous dire une chose, après avoir analysé tout en long et en large, puis d'avoir vraiment échangé avec tout ce monde-là, puis même des fois d'en avoir rencontré en personne, il n'y en a pas de complot mondial contre l'humanité, contre le peuple. Il n'y a pas d'organisation mondiale. Il n'y a pas non plus toutes sortes de comment on pourrait définir ça? Toutes sortes d'idées vraiment, vraiment surprenantes, hein, des fois, de concepts, le concept du chemtrailing. Il n'y en a pas. C'est du n'importe quoi. J'ai fait toutes les recherches. C'est tellement du n'importe quoi. C'est toutes des inventions, des créations. Il n'y a rien, rien de crédible là-dedans. Tous les autres concepts aussi, des Rockefeller, des Rothschild, des reptiliens, puis de tous ces délires-là, c'est du n'importe quoi aussi. L'autre concept, d'état profond, une autre affaire qui ne tient pas debout, qui n'a absolument aucun fondement. Et tout le reste s'ensuit. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Tu peux aller voir ça, prendre ça avec un grain de sel, t'amuser avec ça. Mais si ça devient ta réalité, c'est là où c'est un problème majeur. C'est vraiment un problème majeur. Moi, j'ai visité des concepts comme la Terre plate puis le reste, mais ça me faisait rire dans le fin fond. Puis j'étais là juste pour déranger le monde, comme d'habitude. J'ai fait suer tout le monde. Mais j'en suis revenu parce que c'est du n'importe quoi. Comme le chemtrailing, je suis allé me mettre le nez là-dedans. J'en avais un qui me fatiguait depuis des années avec des pseudo-preuves de ceci. J'ai tout analysé de long en large. Encore là, c'est du n'importe quoi. Oui, il y a une forme de géo-ingénierie qui est étudiée depuis longtemps. Bon, on va essayer de voir si on ne peut pas améliorer les conditions de l'humanité en contrôlant le climat, en mettant plus de pluie où il n'y en a pas, puis en arrêtant de la pluie où il y en a trop. Des trucs comme ça. Il y a même de l'ensemencement qui se fait au Sri Lanka, d'ensemencement qui se fait en Inde et dans d'autres régions. Est-ce que ça marche à 100%? Je ne suis pas convaincu. Mais on essaye. C'est scientifiquement fait en ce moment. Mais l'idée d'avoir du chemtrailing avec des nanoparticules qui s'en viennent infiltrer ton corps avec des antennes de l'ancien programme HARP qui est là pour te... C'est ça du n'importe quoi. Comme... la cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, c'est du n'importe quoi. Comme ceux que George W. Bush aurait fait sauter les tours du Wall Street en 2001, le fameux 11 septembre, hein, les tours jumelles. C'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Puis c'est tout bien fait, c'est tout bien construit, mais ça demeure toujours sans preuve, sans fondement. C'est toujours juste du n'importe quoi. Mais c'est important de comprendre ça. Puis c'est important de savoir qu'il y a du monde qui prenne ça pour du cash, puis qui vivent dans cette réalité-là, 24 heures sur 24, et qui alimentent leurs convictions à tous les jours encore plus. Puis toi, tu es entouré de ce monde-là. C'est pas évident. Tu vis comment avec ce monde-là? Même moi, dans le fin fond, comme je suis un grand provocateur, puis je suis là pour faire suer le monde, je prends tout avec un grain de sel quand même. Moi, il n'y a jamais rien qui vient vraiment me perturber. Parce que je prends tout avec un grain de sel. Donc, c'est important de savoir ça. Comme en ce moment, on vit un moment troublant avec un président qui refuse, mais c'est un jeu qu'il fait.
C'est juste un jeu. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il s'en va le 20 novembre, le 20 janvier, Donald Trump. Il sait qu'il peut rien faire. Encore, le dernier coup, c'était en Pennsylvanie. Ça a été rejeté hier par la tentative de Giuliani et de son équipe d'avocats qui sont des clowns. Des clowns. Il serait vraiment extraordinaire dans un cirque, une édition du cirque des Shriners, parce qu'il y a probablement qu'ils sont à la recherche de clowns. Parce que c'est toujours le même numéro qui revient, les Shriners. Hein, si vous avez des enfants, vous avez sûrement vu ça. Moi, j'ai vu mes derniers spectacles du cirque des Shriners il y a quelques années, ici, dans mon petit coin proche de Laval. Il y aurait besoin peut-être de renouveau. Sidney Powell, Joe DiGenova, Rudy Giuliani, Eric Jr., Eric Trump, Dom Jr. Ça pourrait être des nouvelles générations de clowns. S'ils cherchent une deuxième carrière, mais ça a été rejeté par la Cour fédérale de Pennsylvanie. Il n'y a rien qui peut se faire. Joe Biden a gagné, mais là, il essaye d'étirer la sauce, comme on dit, parce qu'il y a d'autres plans. Lui, il ne s'en ira pas, Donald Trump, de l'environnement médiatique. Il y a 70 millions de gens qui ont voté pour lui. Il ne va pas laisser tomber le morceau. C'est comme Alexis Cossette-Trudel, il a été banni de YouTube, mais il n'a pas lâché le morceau, il est allé ailleurs parce qu'il y avait des fanatiques aveugles qui le font vivre et qui donnent qui le font des dons. Il ne peut pas laisser tomber le morceau, donc il est allé sévère ailleurs. Donald Trump, il ne va pas abandonner 70 millions de poivreaux qui sont prêts à le financer. Il envoie plein d'argent à tous les jours. Il lève des fonds pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. T'as pas affaire à une équipe d'enfants de cœur, là. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre que t'as pas affaire à une équipe d'enfants de cœur. Puis d'ailleurs, Donald Trump, il est pas là pour lutter contre la cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants. Un autre concept qui était alimenté par les conspirationnistes QAnon, puis repris par Alexis Cossette-Trudel, qu'on était gouverné par une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants. Parce qu'il est en train de jouer au golf en ce moment, c'est le G20. Il y avait l'ouverture du G20, puis chaque représentant de pays était là parce qu'en ouverture, on s'occupait, puis on voulait se préoccuper de la pandémie, puis d'essayer d'organiser quelque chose des efforts mondiaux. Donald Trump, il n'était même pas là, il était en train de jouer au golf. Parce que lui, il pense que c'est une fumisterie. Un autre concept, ça, que la pandémie, c'est une fumisterie. Tu as 25 millions de malades dans le monde, tu as plus de 1,2 ou 1,3 million de morts maintenant. On voit le monde mourir partout, ici au Québec comme ailleurs, mais c'est une fumisterie. Parce que Donald Trump a dit que c'était une fumisterie. Mais au mois de janvier, avec Bob Woodward, en entrevue téléphonique, qui ont été déclassifiées puis rendues publiques, il dit à Bob Woodward, ouais, c'est tout un casse-tête parce que c'est 5 fois plus mortel que la souche la plus virulente de grippe que tu puisses connaître. Ça se propage dans l'air. Il savait déjà ça en janvier, Donald Trump. Mais 2 semaines après, comme c'était presque le début de la campagne électorale, puis on était en année électorale, puis il savait que peut-être ça viendrait miner un peu ses chances, il a dit, ben non, c'est une fumisterie des démocrates. Vois-tu à qui t'as affaire, là? Je sais pas. Il y en a-tu encore qui ont vraiment une adoration pour Donald Trump? Puis s'il était en train de battre, puis de combattre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, lui qui aime ça se vanter de tout, je suis le meilleur au monde, on a créé la meilleure économie au monde, on a les meilleurs scientifiques au monde, je suis le plus grand, vous êtes les plus petits. Penses-tu qu'il ne serait pas vanté de ça? Je suis en train de combattre la grande cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Mais c'est tous ces associés qui sont en prison et qui ont tous été condamnés. Parce qu'à un moment donné, tu as la réalité puis tu as la fantaisie. Ça, c'est la fantaisie. Ça, c'est l'outil qui a été utilisé par ceux qui soutiennent Trump aux États-Unis, là, ses partisans, je ne sais pas d'où ils viennent vraiment. Tu as la base républicaine qui l'a quitté, la vraie base républicaine, les vrais républicains. Il y en a qui sont restés, puis tu as tout le mouvement de ce qu'on appelait le fameux Tea Party qui est venu supporter Trump quand il s'est présenté en 2015. Mais ce monde-là, ils ont quoi comme bagage intellectuel? Je ne sais pas. Mais là, tu en as là-dedans qui ont lancé l'idée puis qui ont parti ça. Cette idée qui est en train de combattre l'état profond, une cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants. Puis lui, il sait ça, puis il a joué avec ça, parce que, naturellement, c'est du monde qui t'aime, puis qui te soutienne. Tu t'es encouragé à être encore plus illuminé, puis encore plus amoureux de toi.
peux te dire une chose, s'il était vraiment en train de combattre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, il ne serait pas en train de jouer au golf, puis en train de donner un spectacle pathétique comme il est en train de donner de mauvais perdants. Puis, c'est parce que c'est peut-être lui le chef de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, là. Vois-tu dans quel genre d'esprit, dans quel genre de mode de pensée ces gens-là sont? Ils sont convaincus, puis moi je reçois plein de messages de ce monde-là qui me disent hey, regarde le lien, écoute ça, il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, ils mangent des enfants tous les jours, puis c'est eux autres qui nous gouvernent, puis là, ils ont trouvé des milliers d'enfants en dessous d'un tunnel, puis, puis c'est toute de la folie, des fake news, comme tu peux même pas les imaginer, mais ce monde-là est convaincu que ça, c'est la réalité. Puis ce monde-là, ben, c'est du monde que tu connais. C'est du monde avec qui tu travailles. C'est peut-être ta sœur, c'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta mère même. C'est pas un cadeau. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Qui sont déconnectés complètement de la réalité. C'est une chose d'aller voir ça, puis de prendre ça à la légère, puis de s'amuser, mais d'y croire fermement. Waouh, on a un problème majeur sur les épaules. Majeur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? D'ailleurs, il y en a tellement que tu ne peux pas y rentrer dans les hôpitaux psychiatriques, qu'il n'y a pas assez de place. Même si on voulait les soigner, puis s'en occuper, puis en prendre soin pour essayer de les ramener à la réalité. Quand tu es convaincu que ça se passe, puis je peux te dire une chose, waouh, je ne sais pas comment ce qui passe là. Ça doit être vraiment angoissant. Ça doit être vraiment angoissant quand tu es convaincu de ça, qu'il y a des chemtrails, qu'il y a des nanoparticules qui te rentrent dans le corps, puis qu'il y a des antennes qui sont là à te manipuler, qu'on veuille te vacciner pour que tu aies des micropuces dans le sang aussi, pour qu'on puisse te contrôler. Qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui n'arrêtent pas de manger des enfants, surtout si tu as des enfants, tu commences à être inquiet, parce qu'à un moment donné, ils vont manquer d'enfants, il va falloir qu'ils en trouvent. Donc, si tu crois fermement à tout ça, tu dois vivre des journées vraiment angoissantes, ça ne doit pas être un cadeau. Ce qui se passe dans ta tête, ça doit être hallucinant. Hallucinant. C'est pour ça que c'est important de revenir sur Terre. Puis regarde ta vie, là. À tous les jours, tu te lèves, il faut que tu ailles travailler, payer des contraventions parce que tu as brûlé un feu rouge. Ça, c'est pas une conspiration. Tu as des impôts à payer, ça, c'est pas une conspiration. Tu as des taxes à payer, ça, c'est pas une conspiration. Les démocrates, les républicains, les péquistes, les libéraux mangent ensemble, dorment ensemble, marchent main dans la main, s'en vont à la banque ensemble. Ça, c'est pas une conspiration non plus. À un moment donné, il faut que tu reviennes sur Terre. À ce que je sache, prenons les 50 dernières années, tu as eu des changements de premier ministre, des changements de président, des changements de gouvernement. Ta vie a-tu changé? Je te pose la question. Puis réponds-moi, envoie-moi un message, toi là. Le convaincu de la cabale de cannibales. Femme qui doit vivre, tu dois avoir des maudites journées d'enfer à vivre, toi là. Si tout ça dans ta tête, ça bouge en même temps, moi, je ne sais pas comment ce monde-là fait pour rester en équilibre. Mais moi, je te pose la question suivante. Je ne sais pas quel âge tu as, 30 ans, 35 ans, 40 ans? Tu as eu toutes les sortes de gouvernements depuis 40, 45 ans dans le monde, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les sortes. De gauche, de droite, de centre, centre-gauche, centre-droite, centre-ci, centre-ça. T'en as eu toutes les couleurs. Ta vie a-tu changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le système mondial? Je te demande. Les taxes, les impôts sont-ils disparus? Les contraventions, les lois, les règlements sont-ils disparus? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, via la politique? À part ceux qui vivent dans des pays tyrans comme la Russie, des pays totalitaires comme la Chine. Comme la Corée du Nord et d'autres. Qui, eux, sont probablement plus mal en point que nous autres, là. Puis je pense que c'est plutôt eux autres qui devraient avoir l'idée qu'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants.
qu'il y a un complot contre eux. As-tu vu comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils sont contraints de vivre par leur gouvernement? Qu'est-ce qu'ils sont contraints de faire? Comment ils sont obligés de penser? Sinon, ils vont finir en prison. Sinon, ils vont finir en Sibérie, dans un goulag. Sinon, ils vont finir torturés. Je te pose la question honnêtement, là. Puis je ne veux pas me foutre de ta gueule. Mais quand tu regardes ta situation dans ton confort en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, puis aux États-Unis, puis la liberté que tu as, es-tu capable de me regarder dans les yeux puis de me dire qu'on est victime d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, nous autres? Puis d'une conspiration mondiale? Puis d'un coup d'État mondial? Quand on te permet de raconter toutes ces idioties-là quand même? Puis que tu as un bon mode de vie, puis que tu as peut-être deux voitures ou même trois voitures dans ton parking? Puis que même le fait que tu aies perdu ton emploi à cause de la pandémie, ton gouvernement t'envoie de l'argent, puis que tu puisses continuer à tout payer, puis à tout avoir le même mode de vie, même sans emploi, jusqu'à ce que ton emploi revienne? Tu es-tu en train d'essayer de nous convaincre que nous autres, ici au Québec, en France, aux États-Unis, en Suisse, au Danemark, on est tous dans des victimes d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants? Puis que notre mode de vie est vraiment, vraiment en péril? Quand tu as des pays comme la Corée du Nord, le Venezuela, la Chine, l'Iran, as-tu des amis iraniens? As-tu des amis vénézuéliens? Moi, j'en ai. As-tu des amis russes? Je vais te dire une chose, s'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, pff, elle est pas mal plus par là. Parce qu'à un moment donné, tu peux raconter n'importe quoi, puis... Et juste le fait que tu puisses, puis qu'on te permette de raconter n'importe quoi, ça prouve que ce que tu racontes, c'est vraiment du n'importe quoi. Puis je voulais vous mettre ça, vraiment, étalé au grand jour, parce qu'on est des grandes personnes, puis on est capable de se parler comme des grands. Mais, va revoir tes affaires, mon chum. Puis je pense que tu te trompes de place. Puis moi, je vous reviens avec Trump, qui prépare son prochain acte. Mais il fallait que je vous, en ce dimanche, c'est le jour du Seigneur, que je vous partage ça du fond du cœur. Revenez sur terre. Waouh! Parce que on est inquiet pour vous autres. Vraiment inquiet.